Wesh, réveille-toi! Attends, mais il a l'air incroyable, mais attends, mais le jeu, il est trop dark. Tu regardais mon bangala, c'est pas pour rien. Je sais que tu veux me pécho, Lucia. Oh! Wesh! Mais attends, mais c'était pas une blague! Aujourd'hui, on va tester encore un nouveau Pokémon. J'ai même pas fini l'aventure Pokémon Diamant qu'on teste déjà le nouveau Pokémon. Bienvenue dans mon univers. J'attendais ta venue. Arceus est le nom que vous, les êtres humains, m'avez donné. Ah, c'est Arceus qui me parle là? On est d'accord, Arceus, c'est un peu le dieu des Pokémon. Tu vas bientôt plonger dans un monde extraordinaire. Oh! Oh! Oh, j'ai mon bigot. Non! Arceus. Oh. Oh, il m'a rendu mon téléphone. Oh, je sens qu'il va être down, wesh. N'empêche tout. Wesh, réveille-toi. Oh, wesh. Attends, mais il a l'air incroyable. Attends, mais le jeu, il est trop dark. Oh. Mec, ça change trop des Pokémon habituels, frérot. Tu m'as fait une peur bleue à tomber du ciel comme ça. Qui êtes-vous? Où suis-je? Alors, je sais à peu près qui t'es. Je suppose que t'es le professeur je sais pas quoi. Et que voilà. Où suis-je? Tu es sur la plage, premier pas. Ce qui est sûr, c'est que tu as un drôle d'accoutrement. Allez, je me fais encore juger. Mais attends, mais ces trois Pokémon-là, là, ils sont pas de la même génération. Je les avais presque oubliés. Je courais après ces Pokémon lorsque tu es tombé du ciel. Bah, y'a pas besoin de courir après, frérot. Ils sont à nos pieds, là. J'ai oublié de me présenter, je m'appelle Lavande et je suis professeur Pokémon. C'est dingue en vrai, Lavande. Et je m'intéresse justement à ces trois là. Dis-moi, est-ce que tu voudrais bien essayer de les rattraper s'il te plaît, please? Oh, c'est trop de la frappe. Oh, mais attends, c'est incroyable gros. C'est quoi? C'est une fleur? C'est mon bigot! J'ai un appel de maman là. Examinez, vous avez trouvé un objet ressemblant à un smartphone. Mec, la coque, elle est incroyable. Hein. Ok, ah, il est là-bas. Oh, misère, rien à faire, je n'y arrive pas. Oh, il a l'air trop triste. Voilà pour toi. Oh, wesh, la Pokéball, c'est une relique. Oh, 50. Mais attends, mais je suis riche. Mais attends, mais du coup, les combats de Pokémon, ça se passe comment? Attends, mais wesh. Oh, let's go. Hérissandre, j'ai attrapé mon premier Pokémon. Il ne te reste plus que deux Pokémon à attraper. Viens là. On dirait que je vais les tabasser gros. J'ai ma Pokéball comme ça frère. Il t'en reste plus qu'un. Viens là Bradibou. Hop là. Tu l'as pas vu venir celle-là hein. Eh ouais frère. Oh, oh l'enfoiré. Oh. Eh oui. Ce genre de choses peut arriver. Malheureusement les Pokéballs ne capturent pas les Pokémon à tous les coups. Essaye encore. Tu vas voir, tu fais trop le mec. Hop là. Merci, let's go! Merci beaucoup, tu m'as rendu un grand service. Allons à Rusticité. Suis-moi, je t'y emmène. Dis-moi, il a une voiture. Mec, ce serait trop dard, il a une chop. Ce serait dard, là, on monte dans un petit jeep. Cette jeune personne nous a rendu un grand service. Mon pente, hey, il parle trop, ça y est. Oh, arrête de raconter ta vie, là. J'ai envie de jouer. Oh. Wesh, mais attends, mais c'est trop stylé, hein. Nous nous trouvons actuellement sur Jolie Allée. Première fois que je vois cette tête. Bah, elle me juge, elle, ou je rêve. C'est quoi cet accoutrement? Mais wesh, mais... C'est quoi ce village de gens qui jugent? Je dois aller faire mon rapport pour dire que j'ai retrouvé les trois Pokémon. En attendant, tu veux bien aller m'attendre à la cantine du village? Oh bah alors là, avec plaisir. Le Smarkeus réagit. Oh, grâce à un mystérieux pouvoir, vous pouvez voir le lieu où vous devez vous rendre. Consultez la carte et les objectifs. Et bah let's go. Oh là 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 là. Eh, c'est trop dard. Bonjour monsieur, je viens pour Graï. Oh, il va me juger, il va dire que mon accoutrement il est moche. Qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Je le savais. Mais hé, hey, c'est tous des... Mais oh! On est où là? Le hardi gourmand c'est pour les membres du groupe Galaxy, pas pour les inconnus. Alors du balai, allez oust. Je suis dégoûté mec. Mais non! Mais non! Qui arrive? Quel drôle d'accoutrement. Mais j'en ai ras le cul frère, mais arrête. Quand je vais avoir des Pokémon niveau 52 là, je vais tous vous défoncer. Elle, ça va être ma crush dans le jeu, c'est ça, mais c'est sûr. Attendez les gars, elle regarde où là? Et là, elle regarde vers mon zizi là. Ça se voit dans tes yeux. Tu regardais mon bangala, c'est pas pour rien. Je sais que tu veux me pécho, Lucia. Mais lève les yeux. Ah ouais, bah ouais, je préfère là. Ichmich, va nous prêter main forte. Comment? Vous voulez dire que vous comptez l'intégrer au corps des chercheurs? Vous savez bien que pour ça, il faut obtenir l'autorisation de notre chef. C'est qui le réfé? C'est Nino? Je donne mon autorisation. Oh, le chef! À condition qu'il ait les qualités requises, bien entendu. Je suis Selena, la réfée du corps des chercheurs du groupe Galaxy. Nous te mettrons à l'épreuve demain. Oh, ok. Moi, ça me va.
Allez, go dodo. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, bonne nuit. Oh, mais attends, mais grave d'art, frère. Wesh, ma manette, elle est en train de vibrer sa mère, gros. Le lendemain. Bonjour, Mich Mich. Tu as entendu l'orage? C'était impressionnant. Allez, dépêchons-nous d'aller au siège. La réfé nous attend certainement. Oh, c'est d'art, frérot. Ils ont sorti le tapis rouge, carrément. Réfé, Mich Mich est là. Wesh, elle a pas le temps. Putain, frérot, elle en a de la paperasse, hein. Si tu veux rejoindre le groupe Galaxy, tu dois faire tes preuves. Pour cela, va dans les plaines obsidiennes et attrape un Kenotor, un Étourmi et un Lixi. Oh, y'a un Abra, mais je l'avais même pas vu. Wesh, il est trop d'art. Lucia, je compte sur toi pour lui venir en aide au besoin. Il est donc de mon devoir en tant que professeur de le soutenir. Voilà. Oh, il va me donner mon premier Pokémon. Allez, choisis le Pokémon que tu vas avoir comme partenaire, Mich Mich. Attends, mais le chat voulait que je prenne Brindibou. Mais vous êtes complètement cassé du cerveau, vous. Oui, Rissandre, il a plus sa queue en feu. Si je le choisis, il va être content, tu vas voir. Rissandre, oui, je le veux. Oh, il est trop mignon. Et voilà, l'un des Pokémon que tu as attrapé sur la plage premier pas est devenu ton partenaire. Rissandre obtenu. Oh, je suis trop content, mec. Et ben, c'est parti, les gars. Attrapez un Kenotor, la première espèce dont vous avez besoin pour réussir l'épreuve. Ok, bah let's go. Les plaines obsidiennes. Eh, mais gros, l'univers du jeu, il est trop bien. Oh, Kenotor. Alors toi, mon pote, je vais te choper. Je tire un peu au-dessus. Merde. On lui court dessus. Oh, la précision. J'ai mis deux Pokémon à côté. Let's go. Tu as attrapé un Kenotor, bravo. Passons au prochain Pokémon. T'es à moi. Hop là. Merde. Mais ouais, c'est pas possible. Là, normalement, il se la prend, là. Oh. Oh là là, je suis le sniper. Les gars, je vous jure, je vais devenir un sniper, faut que je m'entraîne. Tu as attrapé un Étourmi, bravo. Plus qu'un Pokémon. Voilà un Lixi. Oh, bordel. Lixi, c'est sûr, il va être un peu plus dur à capturer. Oh merde, il arrive. À l'attaque. Hérissandre, fume-le, mon pote. Oh, bordel. Le combat commence. Flamèche. Allez, fume le Hérissandre. Le Lixi sauvage est brûlé. Ah ouais, par contre, calme-toi, Hérissandre, tu l'as un peu trop fumé, là. Pokéball, utilisé. Et là, mon pote. Hop là. Et là, mon pote. Qu'est-ce que tu dis de ça, Lixi? Qu'est-ce que tu dis de ça? Let's go. Mais attends, mais c'était trop facile. Ton assurance face aux Pokémon et ton talent pour les attraper m'impressionnent vraiment. Waouh. Regarde sa tête là, waouh. Tu es exceptionnel. Allez, encore des compliments, encore des compliments. C'est dingue. Sans surprise, tu as réussi. Je n'en ai jamais douté, mais maintenant c'est bien réel. Prenons une photographie. Ah ouais, une photo carrément. Bah ça va finir sur mon Instagram, hein. Il nous reste plus qu'à aller faire notre rapport à Selena. Let's go. J'ai réussi la mission, chef. On dirait bien que tu as mérité ta place parmi nous. Trop le seum. Félicitations. Prends ceci. C'est l'uniforme officiel du corps des chercheurs. Oh, je vais avoir un uniforme, frérot. Tu feras gaffe, là tu m'as rien donné, hein. Là j'ai bien vu, hein. Elle m'a donné vraiment du vent. Va te changer au logis dans la chambre où tu as passé la nuit, puis rends-toi au bureau de notre dirigeant. Considère cela comme ta première mission en tant que membre du corps des chercheurs. Donc là, ma première mission, c'est me changer. Hop là, se changer. Attends, mais elle est trop stylée, l'espèce de kimono là. Attends, ça ressemble à quoi? Ah oui. Ah oui, là je suis un vrai élève. Les sandales en dirigent Shrek, gros. Aïe 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 aïe. Je constate que tu as revêtu ton uniforme. Ah, c'est Léna. Maintenant, va saluer notre dirigeant. Hop là, petit tapis rouge. On est au festival de Cannes ou quoi là? Wesh, j'ai l'impression qu'il va me mettre une patate dans la gueule. Wesh, la moustache là, je suis jaloux. Hein. Je t'attendais. Je suis Cormier, le dirigeant du groupe Galaxy. Bon, voyons un peu ce que tu veux. Wesh, j'ai cru il allait me faire un Kamehameha. Affronte-moi. Tenter une prise, foncer sur lui. Mec, je fonce dessus. Let's go! Oh, il m'a rétamé la gueule. Toutefois, ne t'attends pas à recevoir un accueil aussi chaleureux que le mien de la part de tous. Bah, j'ai quand même pris une patate dans la gueule, hein. Mission accomplie! Let's go! Tu es maintenant membre du groupe Galaxy. Ton rang est actuellement de 0 étoile. Voici également 3000 pièces. Putain, wesh, je suis trop riche. Utilise cet argent pour t'acheter des ressources. Non, je vais m'acheter la PS5 avec. C'est ici que tu peux confectionner des objets lorsque tu es au village. Ok. Ah, donc là, je vais avoir tous les objets que je peux créer. Et ça va mettre les trucs que j'ai besoin. J'en ai 20 dans mon sac des galets. Et bah allez, 20 Pokéballs. C'est dingue en vrai qu'on peut créer des trucs. Let's go, mission accomplie. Pour un premier essai, c'est du beau travail. Quel magnifique Pokéball. Vous obtenez un Pokédex. Ah ouais. Et merci le Pokédex. Début des recherches. Les tâches Pokédex. Mais attendez là. Ça, mais...
Ça, c'est un fléau, ça. Tout le temps, quand on est trois et on marche ensemble, tout le temps, moi, je suis le mec derrière qui attend. Les deux devant, ils sont là, ils sont en train de parler, ils tapent des barres à deux. Moi, je suis derrière, je me fais chier, gros. Hey, désolé de te déranger, mais j'ai entendu votre conversation avec le professeur. Ah, c'est lui derrière. Puisque tu te rends en bivouac des plaines, est-ce que tu pourrais me rendre un petit service? Donc, reviens me voir ici si tu veux bien m'aider. Est-ce que je veux l'aider? Non, je veux pas t'aider. Bah, loser, bah. Je vais l'aider. Je rigole, bah. T'es trop nul. Ah, c'est une feinte. Allez, je me casse. Bisous. J'ai 4 ans et demi. Tu connais un Pokémon appelé Chenipote? Ah ouais, lui, je le connais, mec, c'est le pire Pokémon. Apparemment, c'est un Pokémon capable de changer de forme et de devenir plus fort. J'aimerais bien avoir un Chenipote pour le voir grandir et évoluer. Tu fais partie du corps des chercheurs. Si tu attrapes un Chenipote, tu veux bien me le donner? Ok, avec plaisir, frérot. Je m'en débarrasse. Si j'ai un Chenipote, je te le donne direct. Tu sors du village, fais attention à toi. Merci, Oscar. Allez, c'est parti. Tu vas devoir accomplir des tâches si tu veux compléter le Pokédex. Tu peux le consulter pour voir tout ça en détail. Attendez, je vais le capturer. Oh, mais ça donne de l'XP quand tu captures des Pokémon. Hop là, toi aussi tu viens là. Hop là, toi aussi tu viens là. Mec, j'ai pas le temps. Oh là 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 là. Ben gros, oh, comment il est sorti lui? Putain. Oh, il a voulu m'attaquer là. Let's go. Oh, Chenipote. Pour l'autre frérot là. Viens là toi. Bon, toi, je suppose que t'es très facile à attraper. Je vais m'en attraper un deuxième. Eh, moi j'ai plus le temps, les gars. Eh, moi j'ai plus le temps. Ils sont les Chenipotes. Chenipotes, spécimen attrapé. Du coup, il y a des mustébouis qui vivent dans le coin. Oh ouais, il y en a un juste derrière. Viens de battre si t'es un homme. Merde, j'ai envoyé Rissandre. Merde, j'aurais pas dû envoyer Rissandre. J'aurais dû envoyer Lixi. Ok, pas de soucis. Capacité. Allez, Rissandre. Fume-le. Attends, mais j'ai attaqué deux fois. Mais il a même pas attaqué. Wesh, le mustébouis vous observe. Wesh, il est trop gentil, il m'attaque même pas. Pokéball utilisé. Allez, mon pote. Viens là, frérot. Hop là. Et hop, vous avez attrapé mustébouis. Du coup, Hérissandre, fois où l'espèce a utilisé vive attaque, et bah ça monte, parce que je l'utilise. Ok, c'est dard. Spécimen que vous avez fait évoluer, 0. Ok, en vrai, c'est dard. Hein. Ta persévérance m'impressionne. Alors voici un petit cadeau pour récompenser tes efforts. Une boîte à outils. Oh, c'est la boîte à outils mystère. Est-ce que je peux nager? Non, je pense que je peux pas. Oh, je peux. Oh, c'est trop dard, frère. Ah, ah, je me noyais. À l'aide. Oh merde. Oh. Oh, je sais pas c'est quoi. Oh, j'ai failli me noyer, frère. Toi, tu me dis quoi? Si tu vois un rocher qui brille, tu devrais envoyer un de tes Pokémon partenaires le détruire. Ah. Go faire des combats contre Lixi. Hop là. Capacité Flamèche. Putain, je le one-shot toujours pas. Lixi vous observe. Mais il faut arrêter de m'observer, frérot. Il faut te battre. Il faut te battre, Lixi. Hop là, Lixi est KO. Allez, on en attaque un nouveau. Let's go, je m'arrête plus. Vive attaque. Bao. Grosse start. Lixi vous observe. Ah oui, mais il fait vraiment que m'observer. Bam. Bien joué, Rissandre. Ah, mais il est toujours pas mort. Oh, le bâtard. Il a attaqué. Allez. Vive attaque. Let's go. Vous avez vaincu Lixi, putain, je suis un monstre. Et du coup, apparemment, les gars, si on jette un Pokémon sur ça, il se passe un truc. Oh. Oh. C'est pour récupérer des galets, en fait. Je crois que j'ai vu mon Hérissandre, il avait écrit capacité maîtrisée en plus. Je crois que mon Hérissandre, il a appris une nouvelle attaque, les gars. Oh, c'est quoi, vive attaque, L ou R? Style puissant. Style rapide. Ouais, c'est quoi, ça? Wesh. Wesh. Et ça fait quoi, style rapide? Oh. Mais attends, mais c'est trop de la frappe. Mais hey, gros, Pokémon, ça a trop changé, hein. Oh, il y a Evoli. Je suis la vie de ta mère, il y a Evoli. Viens là. J'ai peur de le... Non. Non. Merde, j'ai oublié qu'ils s'enfuyaient, les Pokémon. Je sais qu'on peut avoir Evoli ici, je vais l'avoir. Oh. Wesh. Mais attends, mais c'était pas une blague. Attends, mais il fait peur, carrément. Mais wesh. Non, mais lui, je peux pas le capturer, lui. Oh. Ah. Ah. Oh. Mais wesh. Galopa Baron. Mais il va me défoncer. Hypnose. Hérissandre est pris de somnolence. J'envoie Lixi.
Wesh, mais attends, mais c'est n'importe quoi, là. Non, mais arrête! Attends, mais somnolence, ça veut pas dire qu'il dort. Ok, alors là, mon pote, vive attaque puissant. Alors là, mec, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Oh, ça lui a fait un peu de dégâts. En vrai? Oh, merde. Je peux peut-être pas le capturer, mais peut-être que je peux. Ça nous avance à rien, ce que je viens de dire. Je vais essayer de l'avoir, gros. Non, style rapide, comme ça, j'attaque avant lui. Allez, mon pote! Oh, non! Putain, mais elle va fumer tous mes Pokémon. Je peux pas le capturer là maintenant, c'est impossible. Je vais tenter d'envoyer une Pokéball, mais c'est inespéré. Hein. Oh. Oh, j'ai... Gros, j'ai cru, wesh. Galopite, il se repos. Oh, le chien. Oh, s'il s'endort, c'est parfait. Mais wesh, il fait combien d'attaques? Il a détruit tous mes Pokémon. C'est quoi, roulade? C'est une attaque, ça? Oh, oh, ça lui fait mal, quand même. Oh, mais le bâtard, il fait que dormir. Mais wesh, mais il triche. Il dort et il attaque, mais il triche. Et là, il va me tuer. Oh, oh putain. Ah bah ça va, il a fait repos en style rapide. Et là, il va me faire déflagration dans ma gueule. Oh bah allez. Je... Non mais je commence à le connaître maintenant, allez, je me casse. Allez, on se casse. Oh, mais il y a un Ponyta. Attends, Ponyta, par contre, je peux peut-être le capturer en vrai. Attends. Parce qu'en vrai, oh, il est niveau 4, je peux le capturer. Tornade style rapide, allez hop. Bam. Oh, je lui fais pas mal. Ok, style puissant cette fois. Oh, mais j'ai attaqué deux fois d'affilée. Let's go. Pokémon utilise charge. Ok, bah je vais lancer ma Pokéball maintenant parce que sinon je vais mourir. Allez, dis-moi que je l'ai. Dis-moi que je le chope. J'ai Ponyta. Mais mec, c'est trop dard. Mais en fait, il y a des Pokémon de fou quand même. Mais hey, moi j'ai vu un Evoli. Je repartirai pas tant que j'aurai pas Evoli. Oh, je suis au rang supérieur. Avec toutes les tâches que tu as accomplies, tu vas pouvoir monter en rang. Retourne donc à Rusticité et fais ton rapport à Selena. C'est elle qui te fera monter en rang. Ah merde. Ah bah ok. Ah oui, donc j'ai pas le choix en fait. Attends, je dois filer le chenipote au frérot aussi. Tu es venu me donner un chenipote? Eh oui mon frérot. Attendez, je vais lui donner le plus nul. Hop là, je te donne le niveau 4. Allez. Tu m'en as vraiment ramené un. Merci. Tu es aussi doué qu'on le dit. Oh, j'ai eu du miel. Hop là. Selena, je vais regarder ton Pokédex et vérifier son contenu. Regarde, analyse. Et elle a toujours une tête... mec, elle dit des trucs positifs mais avec une tête vénère. Je reconnais tes progrès. Tu as bien mérité une étoile supplémentaire. Du coup, je vais être au rang une étoile. Tu es désormais membre une étoile du groupe Galaxy. Félicitations. Ah, je pensais qu'il y avait des noms mais non. Vous pouvez à présent utiliser des Mass Balls. Oh, c'est quoi ça? De plus, les Pokémon jusqu'au niveau 20 vous obéiront. Ah, ok, j'ai capté. Il n'y aura pas de champion d'arène dans ce Pokémon, mais c'est les étoiles un peu. Vous recevrez également plus de récompenses quand vous ferez vos rapports de recherche. Le lendemain. Eh, mais elle est toujours... Attends, mais elle m'attend toujours devant chez moi, frérot. Elle me kiffe, ça se voit, ça se voit. As-tu un moment à m'accorder? J'ai une faveur à te demander. Oh, je t'attends au dojo. Oula, date au dojo, ça va mal finir cette histoire. À propos, si tu as attrapé plusieurs Pokémon, tu peux changer la composition de ton équipe à l'aire de pâturage. C'est où l'aire de pâturage? Attends, en vrai, ça m'a dit, c'est trop intéressant. Ah, mais c'est ça, on dirait une pension un peu. À l'aire de pâturage, vous pouvez notamment déposer les Pokémon que vous avez capturés ou changer l'équipe qui vous accompagne. Désolé, Ponyta poids lourd, je prends le niveau 4, il va venir direct. Alors attends, les Kenotor. Mustéboué, bah j'en ai qu'un. Donc c'est pas très compliqué. Tac. Et bah voilà, j'ai mon équipe. On a Hérissante, Ponyta, Mustéboué, Elixir, Tourmi, Baudrive, c'est pas mal. On verra pour changer plus tard. Merci beaucoup. Allez, moi faut que j'aille voir Lucien au dojo là. Non mais gros, on est d'accord, elle m'attend pour me fight là. Merci d'être venu. Moi aussi je possède un partenaire. C'est un petit perturbateur mais bon, j'ai besoin de son aide pour compléter le Pokédex. Précisément, voilà. Oh là, oh là, Pikachu. Oh la chance! Le jour où je me suis fait attaquer par un Lixi, j'étais pétrifié face à lui. Je n'arrivais plus à réfléchir et je n'ai pas réussi à battre aux côtés de mon partenaire. Depuis, il refuse de m'écouter. Honnêtement, j'ignore comment communiquer avec lui en combat pour le guider. Pika! Il écoute rien. C'est pourquoi je souhaite t'affronter. Oh! Elle vient de dire que son Pikachu il écoutait rien et elle veut m'affronter elle. Bah viens te battre. Il est niveau combien ton Pika là comme ça pour savoir? Elle est niveau 9 quand même. Oh merde. Cache d'éclair. Wesh! Oh non, elle m'a paralysé. Flamèche, ah, arrête de courir Pikachu. Non, mon Hérisson, il est paralysé. Wesh. Mais attends, mais elle est trop forte. Oh bordel, enfin. Oh.
Elle m'a démoli mon hérisson, frérot. En vrai, j'ai plus que Lixie. Après, ils sont niveau 4 et niveau 2. Lixie, attaque. Vas-y, vive attaque. Vive attaque, style rapide. Hop là. Comme ça, j'attaque avant lui. Allez, fume-le. Voilà. Plus qu'une vive attaque et c'est gagné. C'est ciao, Pikachu. Let's go! Putain, on m'a fait peur quand même, hein. Vous semblez vous comprendre parfaitement, tes Pokémon et toi. Toi, fais pas genre, ton Pikachu, tu le comprends bien aussi, hein. C'est peut-être mon imagination, mais j'ai eu l'impression de communiquer avec Pikachu pendant un instant. Bah, j'ai l'impression aussi que vous avez bien communiqué, ouais. Oh! Oh, c'est qui elle? Je m'appelle Belila. Je suis... Oh, c'est notre effet! Pas de doute, tu as du talent pour le combat. La requête de Risa, oh bordel. Aller à la rencontre de Risa du clan diamant. Eh, c'est ça gros. Eh ben les petits potes, je pense qu'en vrai nous on va peut-être s'arrêter là. On a pas mal découvert le jeu. On continuera l'aventure, en vrai hein, moi je kiffe hein.